Allez, salut les gars, voilà, ça touche bon, ça m'a plus tard. Et comme vous savez, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Alors, donc, pour ceux qui m'ont posé la question à savoir comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire pour la bourse de la Hongrie, voilà, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on y fait. Mais avant tout, je vais d'abord mettre la page en français. Et ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que si vous voulez postuler à cette bourse-là, vous devez déjà. Traduire vos documents en anglais, c'est assez important. Si c'est pas en anglais, ils vont rejeter automatiquement votre candidature. Donc, mettez les éléments en anglais, ça va vraiment vous aider. Donc, comme je le dis, c'est une bourse. Et pour ça, cette bourse-là, vous avez l'opportunité, pour ceux qui ont déjà un certificat en anglais, de postuler directement en licence ou bien en master. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de certificat en anglais, moi, je vous conseille comme ça de postuler en année de langue. Voilà, l'année de langue hongroise. Et quand c'est comme ça, vous serez éligible pour l'année de langue. Et après l'année de langue, vous allez faire le cours que vous souhaitez. Voilà, donc moi, je vais essayer de traduire ici en français. Voilà, mais n'oubliez pas, le site est en anglais. Donc, s'il y a des traductions qui ne marchent pas, vous devez savoir que c'est parce que la traduction n'a pas marché. Ok, donc ici, vous voyez là, ce qui est là. Si c'est au Mali que vous êtes, vous changez. Vous prenez le Mali. Voilà. Mais comme moi, je suis par exemple comme ça en Russie. Mais si je prends Russie, ils vont bloquer directement le site. C'est pourquoi je prends Canada. Et quand j'utilise Canada, c'est le VPN qui m'a positionné au Canada. Donc moi, je laisse sur Canada, c'est pas un problème. Ok, donc, comme vous voyez là, ça, c'est l'appel à candidature pour l'année 2024-2025. Voilà, donc, pour ceux, on va faire en savoir plus. Comme ça, vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Ok, donc, ici aussi, je mets en français. Comme ça, vous allez tous comprendre. Donc aussi, nous sommes heureux d'annoncer l'appel à candidature. Voilà. Et pour l'année universitaire 2024-2025, ont été publiés sur le site qui est là. Donc, soit vous cliquez là directement et vous allez sur le site pour aller postuler. Ou bien, vous allez vous retenir et puis vous allez vous inscrire pour aller suivre la procédure. Donc ici, vous pouvez accéder à l'appel à candidature en cliquant sur le lien. Appel à candidature. Pour les programmes de licence master, master à un niveau, les programmes non diplômants et les formations spécialisées pro-universitaires, vous pouvez cliquer là. Donc, pour ceux qui veulent faire la licence ou bien le master, on clique là et on va pour s'inscrire. Maintenant, pour ceux qui veulent faire un doctorat, voilà, vous pouvez cliquer là et vous allez suivre les procédures pour aller vous inscrire. Les candidats au sous-programme étudiant à risque sont priés de lire attentivement le paragraphe 4 et 5. Voilà. On va pas s'intéresser à tout le monde. Donc, on va faire le minimum pour pouvoir aller un peu plus vite pour cette bourse-là. Donc, dans un premier temps, je viens, je clique là. Imaginons, moi, je prends l'exemple que j'ai postulé pour la licence parce que je considère qu'il y a plusieurs étudiants ici qui veulent postuler pour la licence. Donc, j'ai postulé pour la licence. Alors, je clique sur ce qui est là. Voilà. Et quand je clique là, il y a la plateforme qui va m'indiquer un peu comment est-ce qu'il doit faire et tout, tout. Vous allez lire vous-même et puis vous allez comprendre. Donc ici, si je dois agrandir un peu pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Voilà. Donc ici, si on vient rapidement là, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Comme ça, on va aller plus vite lorsqu'on va se retourner sur le site. Donc, si je viens un peu là, voilà. Je vais aller un peu plus vite. Voilà. Donc, je viens à la partie où on s'enregistre. Mais d'abord, ici, comme vous voyez là, il y a degré de licence, il y a master. Donc, il y a un bachelor qui va de 2 à 4 ans. De 2 ans, ça c'est juste des spécialités, c'est juste des formations. Voilà. Et remarquez très bien, il y a des formations où vous allez faire et que vous n'allez pas avoir de diplôme. Mais il y a d'autres formations qui sont forcément relaté par des diplômes. Et il y a des masters aussi qui vont de 1 à 2 ans. Voilà, certificat of completion, c'est-à-dire le diplôme. Maintenant, ici, non degree programme, c'est-à-dire que vous allez faire des cours de langue. Vous voyez,
Vous allez faire des cours de langue d'abord avant de pouvoir étudier. Donc, il y a 1 an de cours de langue. Alors, lorsque vous allez commencer à apprendre comme ça, à aller sur le site, lorsque vous allez commencer à postuler, pour ceux qui n'ont pas de certificat en anglais et qui veulent étudier en langue hongroise, ne prenez pas directement les cours et prenez d'abord l'année de langue avant de pouvoir prendre des cours. Ça va dépendre de vous. Donc, vous pouvez postuler 2 fois ou bien vous postulez 1 fois, mais seulement que vous allez prendre d'abord l'année de langue. N'oubliez pas, c'est très important. Donc, quand on va commencer, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà, donc, ici, par exemple, comme ça, ils ont mis un peu ce que couvre la bourse. La bourse prend en charge la scolarité. Voilà, ça, c'est toute la scolarité. Et en ce qui concerne le doctorat aussi est pris en charge. Voilà, et l'étudiant reçoit 4 000, ça, c'est la monnaie hongroise, voilà, par mois. Et l'assurance médicale aussi est prise en charge. Voilà, donc pour ceux qui me posaient des questions en ce qui concerne la couverture de la bourse. Donc, vous avez vu un peu. Et ici, voici tous les pays qui sont éligibles. Il y a presque tous les pays, hein. Il y a presque tous les pays. Donc, si vous regardez qu'il n'y a pas votre pays, alors vous ne devez même pas essayer de postuler. Il y a presque tous les pays ici. Donc, voici tous les pays qui sont éligibles à la bourse. Voilà, donc c'est à vous maintenant de voir. L'Arabie Saoudite, il y a l'Égypte. Voilà, donc imaginons que, essayons de voir s'il y a la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais vérifier rapidement s'il y a la Côte d'Ivoire. République de Côte d'Ivoire. Il y a assez de républiques, donc on va avancer, sinon on va pas finir. Donc ici, je vais avancer rapidement et puis j'arrive sur l'espace ici. Ok. Donc je vais voir ici. Je vais voir rapidement la langue d'étude. Ici, il y a des cours qui sont en anglais. Voilà, comme je l'ai dit, il y a des cours qui sont en anglais. Donc, les cours qui sont en anglais, vous voyez là, les cours qui sont en anglais, il n'y a pas d'année d'études. Vous voyez qu'ils ont mis non. Il n'y a pas d'année d'études. Maintenant, si vous prenez un cours qui est peut-être en anglais, en langue hongroise, study ici, minimum, study TOEFL in the Hungarian language. Donc, les applicants qui ont au moins un certificat B2, vous n'allez pas faire direct, vous n'allez pas faire de langue anglaise. De langue de préparation en langue hongroise, vous voyez, vous allez aller directement, vous pouvez postuler directement, c'est ce que je vous disais auparavant. Maintenant, ceux qui n'ont pas de certificat en langue anglaise ou bien en langue hongroise, vous allez faire au moins 1 année de langue hongroise. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Vous allez faire 1 année de langue hongroise. Voilà donc. C'est assez important, c'est pourquoi je vous ai dit, lorsque vous postulez, essayez d'abord de viser la langue hongroise avant de viser la faculté que vous voulez faire. Voilà, donc moi je vais aller directement pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Et ceux qui auront des questions, vous allez me poser ces questions-là en commentaire, ça sera très important. Voilà, donc ici, dans un premier temps, quels sont les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler? Il y a d'abord l'application en ligne, voilà, ça c'est pour tous les applicants. Il y a l'application en ligne. Et l'application en ligne, on aura besoin de quoi? Vous allez remplir l'application, vous allez mettre une photo, voilà, et vous allez mettre comme ça, ici c'est la date de tout, il y a des lettres de motivation, vous allez prouver, si vous prenez des filières qui sont en anglais, vous voyez, vous allez prouver que vous maîtrisez l'anglais, et ici, vous voyez, on dit « Translation in the language of the selected study », donc « Programme or » hongarien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous choisissez une filière en anglais, alors vous allez comme ça prouver que vous avez un certificat en anglais. Donc, et ici, je viens là, vous pouvez lire aussi les éléments qui sont là. Je fais un peu vite parce que pour ne pas que la vidéo soit assez longue, c'est pourquoi je fais un peu plus vite. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il y a School Certificate and Translation in the Language of the Selected Study. Donc ici, on vous dit de prendre des certificats, c'est-à-dire le diplôme et le relevé de notes, et de les traduire aussi en anglais. Donc n'oubliez pas la traduction, c'est assez important. Parce que ici, on dit Bachelor Level, Full Time Program, Scanning Copy of the Original Secondary School Graduation, Certificate or Equivalent. Donc c'est ce que je vous disais. Donc soit la licence ou bien le master, mais n'oubliez pas
de faire la traduction. Voilà, c'est assez important. Ici, on dit non-degree, ongoing language preparatory program, scan copy of the secondary school degree certificate and its translation. Ok, donc ça, c'est pour ceux, par exemple, comme ça, qui vont d'abord faire le cours de langue. Pour faire d'abord les cours de langue en langue hongroise, vous devez aussi prendre les documents et les traduire en anglais avant de leur envoyer. Voilà, c'est assez important, n'oubliez pas, c'est hyper important, comme je le dis à chaque instant. Voilà, donc ici par exemple, il y a aussi les transcripteurs, ça on a déjà fait. Copy of identification, si vous avez un passeport. Ici on dit provide that the applicant already has a passport. Ok, donc il faut avoir un passeport. In case the applicant don't have yet a passport, they should upload a copy of the national identity card. Donc ici, on vous dit que au cas où vous n'avez pas de passeport, vous pouvez utiliser votre carte d'identité. Ce n'est pas un problème. That page must be uploaded, which contains both the personal data and the photograph of the applicant. Donc, on vous dit de mettre comme ça et la photo de celui qui veut appliquer et aussi sa carte d'identité. Voilà. Ok. Maintenant, une fois que vous finissez, qu'est-ce qu'on va faire? Acceptance of assessment for application in the online. Donc, ça, vous allez comme ça. All applicants need to accept the assessment. Donc, lorsque vous allez commencer à postuler, il y aura une rubrique où vous devez d'abord accepter le statement for applicants. Voilà, il y a l'annexe que vous allez télécharger et que vous allez remplir. The statement can only be accepted on the online system. Donc, ici, il y a le certificat médical. Ok. Ici, il y a le certificat médical. Ici, on dit mandatory only for the applicant nominated by the sending partner. Scan copy of the certificate, medical certificate. Et ici, on dit certificate must be issued and signed by a sent physician to declare that the medical condition of the applicant. Ok, donc ici on dit lorsque vous allez faire le test, il faudrait que ce test-là soit signé par le médecin. Voilà, c'est assez important avec le cachet du médecin. The certificate must be recent issue. It means that the date of the issue of the document cannot be earlier than 1 novembre 2003. Donc ici, on vous dit que votre document, le certificat médical, doit être très récent. Si c'est très récent, alors ça ne doit pas être avant le 1er novembre 2023. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont fait après, c'est-à-dire qui voulaient postuler à la bourse de Russie, par exemple, qui sont allés faire le certificat médical et tout, tout, vous pouvez l'utiliser aussi ici. Voilà. Ok, donc après ça, une fois que vous avez ça, je crois que c'est déjà une bonne chose. Vous pouvez maintenant essayer de postuler à la bourse. Donc nous, ce qu'on va faire, on va comme ça essayer de postuler. Et n'oubliez pas, la date limite, c'est le 15 janvier 2024 à 14 h. Voilà, donc c'est à vous de voir. Nous allons être au 30 et le 1er janvier. Donc maximum 2 semaines que ça vous reste. Ok, donc pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas, on postule aussi pour les étudiants, pour ceux qui sont intéressés. Donc nous sommes ouverts, faites-nous signe, on va vous faire une consultation et après la consultation, on va comme ça vous aider à postuler. Ok, donc moi je pars sur le site ici rapidement. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit, essayez d'abord de vous enregistrer sur le site. Voilà. Et quand vous finissez de vous enregistrer, vous allez maintenant commencer à faire quoi? À postuler pour la bourse. Voilà, donc si je me retourne un peu, je viens là et ici, voici la bourse qui est là. Je peux cliquer là et puis vous allez voir vous-même. Lorsque je vais commencer à m'enregistrer, ils vont me demander. Je vais commencer à postuler à la bourse. Ils vont me demander de m'enregistrer. Donc, c'est mieux. Je m'enregistre directement avant de commencer à postuler à la bourse. Donc, ici, il y a deux. Sign in et puis register. Donc, vous vous enregistrez d'abord sur le second. Vous cliquez sur le second qui est juste à côté là-bas. Vous vous enregistrez. Et après, vous allez pouvoir faire le cours ou bien postuler normalement. Voilà, donc, étant donné que moi, j'ai déjà
J'ai déjà fait ça la nuit passée, donc je vais prendre un autre mail comme ça pour vous montrer. Donc vous venez là, vous dites que I am a new applicant. Je suis un nouveau applicant. Voilà, je suis un nouveau candidat. Donc vous cliquez dessus. Ils vont vous dire de mettre votre mail. Donc vous mettez un mail. Je vais mettre un nouveau mail. Voilà. Je vais mettre un nouveau mail. Ok. Je mets un nouveau mail. Donc quand je vais cliquer sur ce registre, ils vont m'envoyer directement un message dans ce mail là et je vais aller prendre ce mail. Je vais aller voir le code, un code là-bas. Ça de d'activer mon compte. Donc je mets registre, je vais là-bas directement. Voilà. On me dit que ils ont envoyé un mail et je vais aller sur le mail. Et si on me demande un code PIN là-bas sur le mail, d'utiliser 1099. Donc moi je vais directement dans mon mail là-bas pour aller voir ce qu'ils m'ont envoyé. Et arrivé dans mon mail, je vois qu'ils m'ont envoyé ce message-là. Voilà. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je vais. N'oubliez pas, on dit de cliquer sur. Ils nous ont dit de cliquer sur... de prendre le code PIN 1099. Donc moi je viens ici directement, je fais click to login, ce qui est en haut. Et là, ils peuvent me demander maintenant le code PIN. Voilà. On me demande le code PIN que j'avais vu là-bas. Donc c'était comme 1099. Ils vont vérifier rapidement. Si c'est ça, ils vont me laisser créer mon compte et facilement. Voilà, donc maintenant je suis enregistré. Voilà, et dans les normes, je dois me retrouver sur une plateforme pour pouvoir remplir. Mais ils m'ont reconnu, ils ont vu que j'ai déjà un compte. Vous voyez, j'ai déjà un compte et voici mon profil. Dans les normes, je dois me retrouver sur un profil pour pouvoir remplir tous les éléments. Voilà, ils m'ont reconnu, ils ont vu que j'avais un profil, donc je suis allé directement. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas vraiment à continuer, vous pouvez me faire signe, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux vous aider. Voilà. Donc, si je viens ici, dans un premier temps, je vais venir dans My Application ici. Voilà. Et je vais comme ça essayer de voir dans quelle mesure je peux postuler rapidement. Et je l'ai dit, je le répète encore, essayez de postuler d'abord pour l'année de langue. Et si ensuite vous voulez choisir une autre langue pour suivre, ou bien une autre filière, voilà, vous allez prendre et l'année de langue. Après la filière, vous pouvez faire la licence ou bien le master. Je l'ai dit, c'est assez important. Voilà, donc ce que moi je vais faire, je vais m'arrêter là et puis je fais une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce que vous devez faire pour postuler à ces universités et aussi à la bourse. Donc à tout à l'heure les gars, n'oubliez pas, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, essayez de liker la vidéo à chaque instant. Donc à plus les gars.